Quelle intro! Pas mal l'intro, pas mal l'intro. Donc, what's going on guys? Bienvenue pour Hunting Ground. Un jeu créé et édité par Capcom, développé par Capcom Production Studio 1. Vous les connaissez peut-être. Avec concepteur Koji Nakajima, le producteur. Et après, il y a Kazuhiro Tsuchiya, le directeur. Donc, c'est beaucoup en fait, on travaillait sur les Clock Tower. Les Clock Tower, je n'y ai jamais joué, mais je les connais. C'est très connu. Tout le monde les connaît, je pense, et beaucoup de gens en fait n'y ont jamais joué. Et on les fera. Je pense que le Clock Tower 3, c'est le plus récent. Il était sorti en 2005, un truc comme ça. Et on le fera peut-être. Bref, en tout cas, Hunting Ground, c'est une sorte de spin-off des Clock Tower. C'est un peu le même système, tout ça. Sauf que c'est sorti donc en 2005 pour nous, avril 2005 plus précisément, sur PlayStation 2. Et c'est un survival horror un peu à la Resident Evil, donc c'est un spin-off Clock Tower avec du gameplay Resident Evil, genre les Outbreak, tout ça, donc les Resident Evil un peu, les old school, mais les plus avancés old school, si je peux parler comme ça. Donc c'est intéressant. Et Hunting Ground, je l'ai jamais joué, j'ai jamais joué, je connaissais pas, je l'ai découvert en fait il y a peut-être 2 ans sur une vidéo YouTube que j'ai vue par hasard, mais franchement, de ce que j'ai vu, déjà les cinématiques, c'est un des jeux de PlayStation 2 les plus beaux que j'ai vu. Mais vraiment, vraiment, il est très très joli. Par contre, le son me tue les oreilles. Je vais... Désolé s'il y a des problèmes de son, parce que ce jeu, en fait, demande beaucoup de l'émulateur. Et des fois, j'ai un peu des crépitements, mais je crois que c'est que seulement de mon côté. Ça va pas être de votre côté. Enfin bref, voilà, c'est juste un détail, mais c'est gênant pour moi. Mais j'espère que ça sera pas gênant pour vous. Donc en tout cas on a les contrôles, vibrations, son, volume, on est au bon, on est tout bon. Et franchement, comme je disais, c'est un des plus beaux jeux PlayStation 2 que j'ai trouvé. Genre les cinématiques, elles sont du niveau des Final Fantasy, genre Final Fantasy X, Final Fantasy XII aussi. J'essaye de me rappeler en fait ceux sur PS2, ouais, 10, 12. Franchement, c'est très très beau. Et après, tout ce qui est dans le jeu lui-même aussi, il est très très beau, très détaillé. Les modèles sont très jolis. Donc voilà, en tout cas, on va se lancer. On va faire une petite heure de ça. J'espère que vous allez aimer. Et moi aussi, je connais pas. Donc on va voir. Alors, de ce que j'ai vu, c'est un survival horror. Alors j'ai dit qu'il y avait du gameplay de Resident Evil, mais juste dans la maniabilité du personnage. Hein. Donc comme je disais, c'est les anciens Resident Evil old school, donc du 1 jusqu'au 3, mais c'est plutôt les derniers, donc on est au niveau de Outbreak, donc ceux qui étaient sur PlayStation 2, on les a déjà fait dans cette série. Et donc c'est très maniable, mais il n'y a pas trop de combats. La plupart du temps, on va échapper en fait à notre tueur, ou la personne qui nous suit, ou quoi que ce soit. Et voilà, ce sera surtout ça. Regarde cette cinématique. Cette cinématique est super jolie. Enfin, bon, bien sûr, bah, par exemple, l'eau, le liquide, là, tout ça, ça laisse à désirer. Mais regardez, les modèles sont très, très beaux. Les cinématiques comme ça sont très, très, très belles. Après, pour tout ce qui est temps réel, vous allez voir avec le moteur du jeu. Là encore, ça sera très beau et très détaillé. Et en plus, on a Aya Brea. Non, je déconne, c'est pas elle. Mais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fiona. Fiona. Et elle est à moitié nue. Enfin, elle est nue, elle a juste une serviette. C'est magnifique, le jeu parfait. Alors, pour faire un résumé, parce que le jeu nous le dit pas vraiment au début, en tout cas. Elle a eu un accident de voiture, apparemment. Et donc un accident assez grave, elle s'est tapée la tête, machin, elle se rappelle plus trop de ce qui se passe. Et elle se réveille donc nue avec une serviette. Franchement, moi j'aurais pas donné de serviette. Autant la foutre nue, autant la laisser nue quoi. Enfin bref, et elle se retrouve dans une cage quoi. Regardez un peu là, on dirait même pas une serviette, genre une serviette de bain, on dirait plutôt un tissu. Regardez comme c'est beau, comme ça bouge. C'est pas mal, hein, pas mal pour la PlayStation 2.
La PlayStation 2, je pense que c'était la meilleure console pour moi. Même, regardez les cheveux. Les cheveux sont très très beaux. Oh, oh. Évidemment, on voit jamais en dessous. Évidemment. Et c'est un bout de tissu qui est vraiment bien scotché. Elle doit avoir du double face en fait. Tout autour de sa poitrine, de ses hanches, tout ça, pour que le tissu en fait reste bien collé. Enfin, ouais, peut-être pas tout autour, parce que... Parce qu'on voit quand même, on voit un peu. Ils s'amusent beaucoup avec ça aussi. Regardez-moi le tissu. Ils se sont dit, ouais, on a animé le tissu. On l'a super bien fait, donc on va le montrer. C'est marrant de penser ça. Mais les développeurs et tout ça, ils se sont dit, ah putain, on s'est fait chier avec le tissu, et ils vont en bouffer du tissu. Du tissu qui bouge et qui ondule. Donc c'est plutôt drôle. Donc je vous présente le jeu. Alors je dois avouer, j'ai pas optimisé l'émulateur, parce que vous savez, c'est toujours faire des tests et des tests et des tests. Pour chaque jeu est différent. Donc... C'est possible que les contours en fait des personnages soient encore un tout petit peu pixelisés, je pense. Mais bon, déjà c'est beaucoup plus beau qu'une PlayStation normale. Mais vous pouvez encore faire mieux. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans le jeu, je pense que si vous trifouillez un peu les options un peu plus que ce que je viens de faire, vous pouvez avoir des trucs très 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 nets. Donc voilà. C'est juste. It's kind of cold. The air smells funny. Donc il fait froid et l'air a une drôle d'odeur. Alors on a pause et select, c'est le menu. Where am I? J'ai l'impression de faire le mec dans Deus Ex. I never asked for this. Donc elle était dans une voiture avec ses parents, ah ça je savais pas. Et bah, elle se rappelle plus en fait. Voilà. Donc comme j'ai dit, elle a eu une sorte d'accident. Alors après, est-ce que l'accident c'était vraiment un accident ou alors c'était volontaire, quelqu'un s'est mis en travers de leur chemin, peut-être. Alors c'est assez immersif dans le sens où c'est qu'il n'y a pas trop de HUD. Moi j'aime bien, j'aime bien les jeux comme ça, donc c'est plutôt sympa. Les contrôles c'est très bien, on a le joystick hein, donc on peut la faire tourner à 360 tout ça, il n'y a pas de contrôle tank, de tank control comme on peut dire. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, un survival horror, mais comme les, par exemple, les Resident Evil Outbreak, donc ils se contrôlaient très très bien. On peut passer là? Non, c'est trop petit. Je suis sûr qu'elle peut passer, je suis sûr qu'elle passe, mais elle veut pas. Alors, je vais un peu spoiler parce que je sais pas si on va y arriver en fait à ce moment-là, parce qu'on va jouer une petite heure et je connais pas le jeu, donc je vais avancer sûrement lentement. Mais à un moment du jeu, en fait, on va trouver un chien, et le chien va être notre partenaire. C'est un peu comme ça que ça marche. Et le chien va vous permettre de résoudre... C'est quoi ça, une poule? Un lapin? Va vous permettre en fait de résoudre beaucoup de puzzles. Donc le trou, vous avez vu, le trou est trop petit, c'est pour le chien en fait. Si je connais bien, enfin, si je me rappelle bien de ce que j'ai lu sur le jeu. Je pense que ce genre de jeu, très très joli, ça rappelle aussi les Onimusha. Les Onimusha aussi étaient très 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 beaux. On a la camomille. Hein. C'est une herbe, restaure le stamina. C'est étrange parce que je le vois pas le stamina. Stamina c'est l'endurance. C'est bizarre mais j'ai pas de barre d'endurance. Peut-être qu'à bout d'un moment elle arrête de sprinter, on va voir. Ok, une porte qu'elle peut pas ouvrir. J'ai pas l'impression qu'elle ait des problèmes de sprint. On verra ça peut-être plus tard. Pour le moment c'est un peu didacticiel je pense. On va monter. Est-ce qu'on peut faire d'autres actions? Non, j'ai pas l'impression. On peut utiliser la croix directionnelle aussi si on veut. J'aime bien ce genre de décor. Ce genre de décor fait penser à la PlayStation 2. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous. Mais moi ce genre de décor fait toujours penser PlayStation 2. C'est que le décor est pas vide.
Mais on voit que les mecs, ils ont essayé de faire le plus possible, c'est-à-dire que les textures sont quand même de très bonne qualité. Il y a des objets dans l'environnement en 3D, hein, des objets en 3D, tout ça, modélisé, tout ça, où c'est qu'on peut interagir, des fois, enfin, des fois oui, des fois non. Mais pour combler ce vide, mais il y a quand même une partie un peu vide, genre la limitation de la PlayStation 2. Vous voyez, c'est pas la PS3, c'est pas la PS4, quoi. Donc je trouve ça, franchement, je trouve ça... Enfin, je sais pas, j'ai à chaque fois, moi, quand je vois des jeux comme ça, je me dis, ah, ça, c'est PlayStation 2, ça. Voilà, je sais pas pourquoi, mais on peut pas taper, non, on peut pas taper, rien. On va visiter un peu. Elle doit avoir mal aux pieds, par contre. Je veux pas dire, mais... Vous voyez, c'est plus rapide qu'un... La façon de ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'on peut même fermer la porte? Enfin, peut-être qu'on pourra plus tard. Là, je pense que c'est encore didacticiel, faut trouver des affaires et tout. Mais la façon dont elle ouvre la porte et qu'elle passe la porte et que le changement de caméra, tout ça, se produit, ça rappelle énormément les Resident Evil Outbreak. Donc, enfin, moi, j'ai toujours aimé les Outbreak. Je trouve leur contrôle très, très, très bon. Et ça reste encore dans les survival horror en fait. C'est pas action, c'est pas lent ou c'est pas vieillot comme les Resident Evil 1, 2, 3 par exemple. Mais c'est du sur. Moi pour moi c'est un peu les meilleurs, les Outbreak. C'est bête qu'ils aient pas autant bien marché. C'est qui elle? Faudrait les refaire en fait. Ouh, on va peut-être avoir un peu d'action là. Oula. I've gathered some clothes for you. Elle a un truc sur l'épaule. Wait, une marque. Don't go. Les visages sont parfaits à chaque fois. Ça rappelle la PlayStation 2. Excuse me, but where are we? And how did I get here? Yes, master. We will keep her here for a while. Ok, t'es folle. She stays comfortable. Elle parle au portrait. Tu es folle. Il a dû taper sa tête un peu fort en fait. La VO est pas mal. Les voix sont sympas. Après, il faut en voir un peu plus pour bien juger, mais ça va. Les voix sont sympas. Ok, là on a des vêtements. Change, non. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de rester avec une... Avec ça, moi. Et puis on peut l'enlever, peut-être, non? Allez, on va le faire. On pourrait peut-être enlever la... Ouh! Ah, c'est un peu bizarre, là, par contre. Oui, c'est étrange. Je sais pas si c'est mieux comme vêtement. Je sais pas si c'est mieux la mini-jupe comme ça, là. En tout cas, c'est joli, c'est des beaux vêtements, mais bon. Apparemment, elle a une jolie poitrine aussi. Ah ouais, quand même, pas mal, pas mal. Ah, ben voilà, ben du coup, je crois qu'il aime bien les vêtements. La poitrine.
Ah, mais elle a vraiment dû taper fort pour pas se rappeler du tout en fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, kick. On peut taper, kicker, sûrement un coup de pied, petit coup de pied, sur les objets ou stun les certains ennemis. Et on peut jeter, balancer des choses apparemment. Alors L1, putain, alors attendez, L1 c'est pour se baisser, R1 c'est pour reculer. Charger, oh la vache. Ok, alors, ok, ça c'est taper. Oh, regardez les seins. Oh, boobs physics. Oh yes. Oh yes. Ah, boobs physique. Bon, par contre, elle est... Ils auraient dû peut-être la faire un peu moins volumineuse, non, la poitrine, parce que c'est un peu distrayant quand même. Je veux pas dire, mais... Ou alors, elle a un très très bon soutien-gorge qui... Ok, je vais arrêter de faire ça. Alors, backstep. Ok, cool, sympa. Et on peut se mettre à... On peut s'abaisser. Ok. Ok, backstep, c'est ça. Tout est bon. Et on peut taper. Ok. On est bon. Déjà, on revient pas de... Ah, mais je peux pas jouer à le jeu, moi. C'est la poitrine, quoi. Enfin, bref. Ça me distrait trop. Je vais me faire attraper. Oh, on peut allumer la télé. Bah, franchement, je vois pas pourquoi tu veux partir. Il y a la télé et tout. Une poupée antique. Portrait. Non, je sais. On y va. Alors, je vais ressortir, si on peut. Ouais, on peut, ça va. Parce qu'il y a des pots. Et je suspecte qu'on puisse les casser. Hop là. Et après je peux faire ça, comme ça. Hop, on avance comme ça. Non, tourne-toi. Non, tourne-toi. Yeah. Hmm, what's this? Un médaillon. Alors... C'est pour de l'alchimie. On va faire de l'alchimie. Ça, on peut le toucher. Non. Non, ok. On va redescendre. Je me rappelle qu'il y avait des pots en bas. D'abord, je vais juste vérifier là s'il n'y en a pas d'autres. La bande-son est cool. J'aime bien les bruitages, tout ça, le son. On se sent pas trop à l'abri, en fait. Moi, j'aime bien ça. J'aime quand il n'y a pas trop de musique, mais il y a des bons sons. Bruitage, etc. Ah, par contre, c'est... J'avoue que c'est un peu relou. Magnésia. Du magnésium. Alors... Oh, waouh. C'est une mine. C'est une mine. En gros, on le... Tu peux casser ça aussi? Non, tu peux pas casser. On le pose par terre et si un ennemi passe dessus, ça va exploser. C'est peut-être un peu abusé, non? Du magnésium. Bon, là, on peut toujours pas... Ok, on va continuer. On va peut-être revenir où c'est qu'on était. Revenir dans la chambre, je crois qu'il y avait une autre porte. Bon, d'abord on vérifie un peu. Ah, elle a plus d'endurance, elle est fatiguée. Ah ouais, quand même, elle met du temps. Ah, c'est bon. Alors, il y a une charge aussi.
Mais... Ah, il faut vraiment qu'elle court pendant genre 5 secondes, non? Ah oui, elle fait un sprint. Vous voyez en fait dans sa course ou pas? Je sais pas si vous le voyez, mais c'est très subtil. Genre elle fait un petit dash en plus. Et là on peut faire un push en fait. Elle peut se foncer sur l'ennemi. Ok, y a rien. Ok, on peut se casser d'ici.